est pleine de signification. D'abord, il s'agit d'honorer les morts, les gens qui trouvent la mort, les gens qui concèdent le sacrifice ultime dans l'exercice de leur métier. Pour la patrie, il faut les respecter. C'est ce qui fait avancer un pays, c'est ce qui fait avancer une entité. On ne peut pas progresser en ignorant les morts. C'est pourquoi aujourd'hui, il a voulu à ce que l'on honore la dignité de tous ceux qui sont morts, quel que soit le camp dans lequel ils se trouvaient. Donc, ce ne sont pas que les éléments qui étaient avec lui, mais ceux contre lesquels il se battait. Tous ceux qui sont morts ont été décorés. C'est le président en personne qui a accroché la décoration de feu colonel Yemoïba Camara. Donc, ça veut dire que c'est toute l'armée guinéenne. Les heureux bénéficiaires d'aujourd'hui se retrouvent dans toutes les unités. Il y en a qui sont de Bata, il y en a qui sont de... Mais il y a même des civils là-dedans. Tous ceux qui ont trouvé le sacré, la mort ce jour-là du 5 septembre, ils ont été honorés aujourd'hui. C'est une première. Il y aura d'autres. La leçon dans tout ça, c'est que nous devons être ensemble. Nous devons accepter de lire notre histoire, si douloureuse soit-elle, et pour aller vers l'avant, en se disant la vérité et en allant toujours vers ceux qui ont eu à faire des sacrifices ultimes. C'est ça le message aujourd'hui.